sortira de là comme toujours, rafraîchi, renouvelé, restauré. Certains seront sauvés, certains seront affermis, certains seront étirés, certains comprendront encore mieux. Quelqu'un me dit amen. Alors maintenant, naturellement, c'est notre privilège et notre plaisir. La famille ICC de Brazzaville est honorée et fière, privilégiée par la grâce de Dieu de recevoir celui que nous aimons, le Père des Églises Impact Centre Chrétien. Non, attendez, attendez, attendez. Je dois vous dire, vous savez, nous sommes frères jumeaux. Il y en a qui ont dit, je veux venir juste parce que c'est les frères jumeaux, je veux enfin les voir. Miséricorde, miséricorde. On ne vient pas à l'église pour voir le pasteur. On vient à l'église pour rencontrer Dieu. On vient à l'église pour rencontrer Dieu, dit amen. Mais nous venons rendre hommage à qui mérite l'hommage, rendre l'honneur à qui mérite l'honneur. Vous savez, on a beau être frères jumeaux, mais il fut un temps où lui et moi, on était en train de se dire, mais qui va prendre la responsabilité de la bergerie? Qui va prendre la responsabilité de l'église? Parce que depuis longtemps, Dieu nous a appelés à développer, à nous déployer. Et à l'époque, nous discutions ensemble. Lui, il disait, non, mon gars, moi, je disais, ah non, mon gars, c'est pas moi qui est fou, cette histoire-là. Finalement, c'est tombé sur lui. Et Dieu a bien fait. Et nous nous sommes reconnaissants. Il est très occupé. ICC, c'est beaucoup, beaucoup d'églises. Et ça va aller de gloire en gloire par la grâce de Dieu. Mais Brazzaville est un des territoires que Dieu a choisi pour planter l'église Impact Centre Chrétien. Et la ville de Brazzaville, et en particulier la famille Impact Centre Chrétien, est fière, privilégiée de recevoir le Père des églises Impact Centre Chrétien. C'est notre Père, c'est le vôtre aussi. Dis-moi un bon amen. Et quand on accueille le Père de la maison, on se met debout pour acclamer Dieu pour le Père qu'il a donné à la famille. Car c'est un don de Dieu. Il est un don de Dieu pour la francophonie. Et Brazzaville, nous sommes dans la francophonie. Alors mettons-nous debout, famille ICC, pour accueillir le pasteur principal des églises ICC, le pasteur Ivan Castanou, pour la seule gloire de Dieu. Est-ce que tu es en train d'apprécier Dieu? Est-ce que tu es en train de bénir Dieu? Est-ce que tu es en train de rendre gloire? Acclamons, acclamons, acclamons sa présence. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Allez. Oh, Father, we thank you. Seigneur, merci à la vue de cette œuvre que tu as accompli à travers tes serviteurs, ton serviteur et les serviteurs de ton serviteur. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Nous voulons reconnaître que véritablement, tu es l'alpha et l'oméga. Et nous voulons reconnaître, Seigneur, que ce palais de gloire, que nous, plusieurs pasteurs d'Impact Centre Chrétien, avons décidé de baptiser la cité de gloire. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a un palais, ça c'est le palais ici, mais il y a trop de bâtiments dans ce site. Ce n'est plus un simple palais, parce que hier quand on est venu, on pensait qu'on venait au palais, et puis on nous a montré un bâtiment, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Pour l'une des rares fois, j'étais fatigué de faire la visite. Alors le pasteur Christian des églises du Benelux a dit non, ça c'est pas un palais, c'est carrément une cité. Et d'autant que je crois et je suis convaincu que d'autres terres, là où les gens sont en train de construire, seront récupérées demain pour élargir. Tu es le roi des rois, Père, tu es l'unique. Personne ne pouvait faire cette œuvre, Père. Honneur, louange et gloire à toi. Tu es, tu es, tu es, tu es. À part toi,
divine, c'est la main du Seigneur. Nous reconnaissons que c'est ton doigt, ô Père. C'est le doigt de Dieu. C'est toi qui as commencé cette belle œuvre. Et aujourd'hui, nous voulons constater, reconnaître que tu as été Père l'Alpha. Que tu es également ce soir. Seigneur, notre présence ici signifie que tu n'as pas fait que commencer, mais tu as achevé ce que tu avais commencé. Oh, nous te sommes reconnaissants. Parce que plusieurs d'entre nous, nous pouvons dire de notre vivant, le ciel a bâti la terre. De notre vivant, un édifice, un hôtel, un temple a été érigé au cœur de l'Afrique centrale. Aïe, 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 aïe. Oh Père, oh plusieurs d'entre nous ici ce soir, ceux qui ont contribué, ceux qui ont semé, quel que soit le montant qu'ils ont semé, ont leur nom écrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Ma vie a été utile. Oh merci de ce que tu t'es servi de nous. Tu n'as pas laissé les incroyants, tu n'as pas laissé le monde faire ça. Tu voulais que ce soit ton peuple, tu as dit, vous me construirez un sanctuaire et je voudrais habiter au milieu de vous. À part, tu es, oh nous te reconnaissons, maître de nos vies, rocher de nos cœurs, bouclier, bienfaiteur, bâtisseur. Tu as été Alpha. Oh, ce soir nous célébrons l'Oméga, celui qui a commencé cette belle œuvre. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre Créateur, personne d'autre n'était capable de faire ça. Avec un tel standard, avec une telle signature, nous reconnaissons que c'est ta main. Par la foi, parce qu'au début, il n'y avait pas les ressources. Il n'y avait pas les ressources. Les ressources sont venues au fur et à mesure que le projet avançait. Parce que tu savais que c'était ton projet. C'était ton temple. C'était ta cité. C'était ton palais. À part toi. De ce que ce soit tu es. Oh, mais gars, à part toi, il n'y a point d'autre. Parfois, oh, nous te sommes reconnaissants. Oh, mais gars, il n'y a point d'autre. Personne qui pouvait faire cette œuvre. Wow. Père, ce soir, par la qualité de ce temple, la qualité de cette cité, révèle que véritablement, tu es le Dieu de l'impossible. Cette cité, ce palais n'a pas été construit parce qu'il y avait les moyens. Non, au début il n'y avait pas les moyens. Il y avait juste la foi et la vision. La vision a parlé. La foi de son serviteur a parlé. Mais ce projet, cette réalisation, l'Esprit de Dieu m'a dit, sera un témoignage et un encouragement pour plusieurs de notre génération. Et cet édifice à lui tout seul parle. Et il nous oblige à reconnaître. Je reconnais
que tu peux. Quand je vois ce projet, quand je vois cette cité de gloire, et je reconnais. Aïe, 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 aïe. Ah, au-delà des mots. Ce soir, ce n'est pas une chanson. Ce soir, c'est un constat. Ce soir, c'est une affirmation. Ce soir, c'est une contemplation à Dieu. Ah, je suis obligé de reconnaître. Lorsque je regarde autour de moi, lorsque je sillonnais cette cité, une mélodie montait en moi. C'est possible alors, c'est possible alors, véritablement. Rien n'est impossible à Dieu. Il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Alors si je paye le prix de la consécration, de l'obéissance, de l'indépendance, de la vision, de la foi, de ma vie aussi, tu peux faire sortir quelque chose, des bonnes œuvres qui éclaireront ma génération et obligeront ma génération à venir à toi à travers le palais de gloire. Il y a des gens qui vont dire après ce week-end d'inauguration, excuse-moi, bien-aimé, là où tu iras, moi aussi j'irai. Quand je vois cette réalisation, je reconnais que ce n'est pas un homme, c'est Dieu, c'est l'homme de Dieu. Oh, je reconnais, c'est un palais de gloire. Atteste et révèle et certifie et démontre à notre génération. Je reconnais. Et que non, 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 non. Seigneur, nous voyons. Seigneur, nous voyons. Nous voyons. Y a-t-il une personne pour reconnaître et dire Seigneur, nous voyons. Seigneur, nous voyons. Oh Seigneur, nous voyons. De nos yeux, nous avions entendu parler, mais maintenant, ce soir de nos yeux, en tout cas je ne sais pas pour toi, mais pour moi qui suis arrivé de Paris, je reconnais que ce soir, ce que je vois, bien-aimé, ça s'appelle pas un bâtiment, ça s'appelle la gloire de Dieu. Wow, les Ramamachan. Seigneur, nous voyons. Et alors que nous voyons ta gloire, nous sommes admiratifs, nous sommes dans la contemplation de tes bontés, de ta fidélité, de ton salut, de ta miséricorde, de ta capacité à honorer ta promesse, de ta capacité à travers tes serviteurs à finir ce que tu avais commencé. Seigneur, Seigneur, nous voyons. De nos yeux, nous voyons. De nos oreilles, nous entendons le récit et nous reconnaissons que c'est ta gloire. C'est ta gloire. Seigneur nous, Seigneur ta gloire, ta Seigneur nous voyons, Seigneur nous voyons, nous voyons ta gloire. This is just your glory, God. This is your glory. Il n'y a pas d'autre mot. Seigneur, nous voyons. Les générations précédentes ont rêvé de bâtir au centre de l'Afrique. Pas seulement de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale est au centre de l'Afrique. Le centre, c'est le moteur. Le centre, c'est le poumon. Le centre, c'est la partie névralgique. Le centre, c'est la partie qu'il faut contrôler, qu'il faut commander. Le centre, c'est l'endroit où on pilote. Le centre, c'est de là que partent des décisions. Le centre, c'est de là que sortent des voix. Le centre, c'est un hôtel qu'il a établi au cœur de l'Afrique pour le changement. Un son, des sons répétitifs sortiront de ce lieu. Ce n'est pas une bâtisse, ce n'est pas un bâtiment naturel, non. Voilà pourquoi on l'appelait un palais, un temple. C'est la cité de Dieu. Seigneur, ta gloire. Ta gloire.
voyons. Seigneur, nous voyons. Abba, Père, ta gloire. Émerveillez nous sommes devant ce que tu es capable de faire. Lorsqu'un peuple décide de t'honorer, lorsqu'un peuple décide de démontrer son amour, je ne sais pas pour toi, bien-aimé, mais tu vois, pour plusieurs pasteurs ici qui sont venus de l'étranger, tu n'as pas idée de ce qui s'est passé. Certains sont venus des Antilles, d'autres sont venus d'Amérique, d'autres sont venus de France, d'Europe. Mais le constat a été le même. Tout le monde a eu le souffle coupé. Et beaucoup repartiront d'ici, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Douala, dans toutes les régions. Mais c'est un peuple visionnaire qui repartira d'ici. C'est un peuple audacieux, parce qu'un peuple aura été challengé. Un peuple aura dit, j'ai la preuve que dans ma génération de mon vivant, c'est possible. Il suffit seulement de se lever et d'imiter ceux qui ont fait cela. D'imiter, alors ma vie aussi peut compter et ma vie peut servir. Oh manifestateur, oh manifestateur. Nous voyons, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que c'est ça? Ce n'est pas naturel. Alors je ne sais pas pour toi, mais ça m'encourage à croire que dans ma génération, oh bien-aimé, les pères et les grands-pères ont prié, ils ont espéré, et Dieu l'a fait dans cette époque. Ce n'est pas notre mérite, c'est l'œuvre de Dieu, c'est sa volonté, c'est la saison pour l'émergence de l'Église dans la francophonie. Nous voyons. Oh, ma paix. Seigneur, nous. Nous voyons ta. Seigneur, est-ce que tu reconnais que c'est sa gloire que tu vois? Oh bien-aimé, ne sois pas familier avec cet endroit. Je t'en supplie, ne sois pas familier avec cet endroit. Ne prends pas l'habitude de t'asseoir sur les chaises et de dire c'est normal. Oh non, bien-aimé, je peux t'emmener faire le tour du monde. Quand tu vas revenir, tu vas dire finalement ce qu'on a vu à Brazzaville. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acquis, ce n'est pas évident. Je t'ai garanti que ça s'appelle le nom palais de gloire. Cité de gloire n'était pas un nom anodin, ce n'était pas hasardeux. Ça venait de Dieu, bien-aimé. Je peux t'écouter, je t'en supplie. Fais-moi confiance, j'ai voyagé. Si moi, j'ai dit à quelqu'un hier, il m'a dit qu'il venait de Pointe-Noire. Je lui ai dit, mon gars, prépare-toi. Prépare ton cœur, prépare-toi. Parce que ce que tu vas voir là, il m'a dit, si toi, Ivan Castano, tu dis que ça t'a épaté, ça veut dire que vraiment, tu commences à faire battre mon cœur. Il lui dit, frère, en toute humilité et en toute honnêteté, il faut savoir reconnaître. Il faut savoir reconnaître la main du Seigneur derrière quelque chose. Je te dis que cette affaire-là. Alors, la gloire, Seigneur, si tu le reconnais, tu vas simplement dire, Seigneur, nous voyons. Seigneur, nous voyons. Ah. Lorsque je regarde avec les yeux, je vois. Oh, là tu étais au niveau 1, bien-aimé. Ça c'était au niveau 1. C'est le niveau où on est fatigué. Tu vas faire monter au niveau 2. Au niveau 2. Au niveau 2. Oui, ça c'est le niveau 2. Fais monter au niveau 2. Seigneur, Seigneur, nous voyons. Ma bouche doit accompagner. Ma bouche doit accompagner mon émerveillement. Au niveau 3, au niveau 3. C'est mieux. Ça, c'était niveau 3. C'est bien. Parce que tu dois reconnaître ses œuvres. Tu dois reconnaître ses bienfaits. Tu dois reconnaître son accomplissement. Oh, bien-aimé, il faut être assez humble pour reconnaître. On va monter au niveau 4. Ah, c'est une manière de reconnaître. Parce que je ne peux pas me taire. Je dois reconnaître. Je dois reconnaître. Ça, c'est ta gloire. Ce n'est pas une entreprise humaine. Elle est divine à travers des hommes.
mais ce ne sont pas des sommes. Quand je vois le délai dans lequel ça a été accompli, oh, je ne peux pas, Seigneur, me taire. Je dois reconnaître, ça m'encourage lorsque je reconnais ta gloire. On est au niveau 5. Nous voyons ta gloire. Seigneur, nous voyons. Seigneur, nous voyons. De nos yeux, nous voyons. Nous voyons. Seigneur, nous voyons. Nous voyons. Merci de nous encourager en nous faisant voir ta. Tu encourages la foi d'une personne. Tu réveilles le rêve. Tu réveilles l'audace. Tu réveilles la vision de plus d'une personne. Parce que elle sortira de ces trois jours en disant j'ai vu. Ah, j'ai vu, j'ai vu. Désormais je sais que ta gloire n'est pas un mythe. Oh, on peut la voir. Joseph a dit, dites à mon père de venir voir la gloire en Égypte. Aïe, 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 aïe. Seigneur, tu vas nous encourager. Tu vas nous encourager. Tu vas réveiller la foi, réveiller la vision, réveiller l'audace, nous donner envie d'imiter. Oh, nous voyons. Seigneur, nous voyons. Ta gloire. Ta gloire. Je reconnais, Seigneur, nous voyons. Il n'y a pas d'autre mot. Si tu es honnête, tu reconnaîtras qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est la main de Dieu. C'est le doigt de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Seigneur, nous voyons. Nous voyons ta gloire. C'est ça la cité, montrez-moi. Merci de ce que je vois ta. Seigneur, je vois toi. Seigneur, je vois ta. Ah, ça édifie ma foi. Quand ce soir je vois. Ce soir je vois. Quand ce soir je vois. Oh, tu me fais voir, tu me fais voir, tu me fais voir. De mes yeux, je sortirai de là en disant j'ai vu. Je repartirai avec ta gloire, je repartirai avec cette vision. Je repartirai avec une nouvelle foi. Quand j'aurai vu, quand j'aurai vu, quand j'aurai vu, quand j'aurai vu, quand j'aurai vu. Quand j'aurai vu, j'aurai vu. Quand j'aurai vu, quand j'aurai vu, j'aurai vu. J'aurai vu, j'aurai vu. De mon vivant, de mon époque, de ma génération. J'aurai vu, j'aurai vu. J'aurai vu, j'aurai vu. J'aurai vu, j'aurai vu toi. Ah, si tu vois la gloire, la maracha, la rabosa. Oh, quelqu'un me dit amen. Pourquoi c'est important de voir sa gloire? Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire.
Pourquoi c'est important de voir sa gloire? Parce que ça te montre qu'il existe, ça te montre qu'il n'est pas un mythe. La Bible dit, nous avons vu la parole. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. À propos de Christ, il est dit, nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons contemplé sa gloire. Lorsqu'il voyait Jésus, il était en train de voir la gloire de Dieu. Il est important dans ton époque et dans ta génération de pouvoir voir. Quand tu vois la guérison, tu vois la gloire de Dieu. Quand tu vois la délivrance, tu vois la gloire de Dieu. Quand tu vois des jougs détruits, tu vois la gloire de Dieu. Quand tu vois des démons chassés, tu vois la gloire de Dieu. Mais quand tu vois ce palais, tu vois la gloire. Oh, si tu crois que c'est la gloire, tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Acclame, acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame la gloire. J'acclame la gloire. J'acclame la gloire, j'acclame la gloire, oh, j'acclame la gloire, oh, j'acclame la gloire, j'acclame la gloire, j'acclame, 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 j'acclame la gloire, j'acclame la gloire, j'acclame la j'acclame la gloire, j'acclame, 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 j'acclame la gloire, j'acclame la Jésus le Christ. Amen, amen. À la gloire que j'ai vue. Moi je te dis, écoute-moi, nous, tous les pasteurs là, hier on a fait la visite. Je te dis que je ne sais pas pour toi avec quoi tu partiras, mais nous, on partira encouragés. Et je vais te dire, ce qui est terrible, c'est qu'il aura fallu venir à Brazzaville, dans un pays que plusieurs ne considèrent pas, pour voir ce qui va étirer et challenger et bousculer la foi. Il y a des choses, quand tu ne vois pas, tu ne crois pas. Et tu admires ce qui se passe ailleurs. Mais même malgré ce qui se passe ailleurs, nous, on est nombreux ici pour te dire ce qu'on a vu ici, ce qu'on voit ici. Même ICC Paris n'est pas à ce niveau aujourd'hui. ICC Bruxelles n'est pas à ce niveau aujourd'hui. Et le plus choquant, il n'y a aucune église en France, j'ai vu, ni en Belgique, ni en Suisse. Bien aimé, Dieu a choisi les choses folles de ce monde. Aïe, aïe, aïe. Yarabachate les barres. Pour confondre les fautes, Dieu a choisi des endroits, un peuple, une église, un endroit sans importance, sans noblesse. La Bible dit, oh, ya, 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 laisse tomber. Maracha la baya. Je t'interdis de banaliser ou de prendre pour acquis ce que tu vois quand tu fais le tour de ce site. Parce que nous, quand on fait le tour, on n'a pas arrêté de dire, maman, mamé.
chapeau. Respect. Ouais. J'espère pour toi que tu as été un contributeur significatif de ce rêve. Ce n'est pas le rêve d'un homme, c'était le rêve de Dieu au centre de l'Afrique. C'est juste qu'il y a un homme appelé Moïse, un Moïse de son époque, entouré de Hu et de Marie, qui a réceptionné le rêve et qui a décidé d'enfanter, d'être enceinte du rêve et de donner naissance. Aïe, 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 aïe. Je t'interdis de banaliser ça. Ça serait pour toi une malédiction. Tu n'as pas aidé. Moi, je voyage partout. Quand tu me vois dire que ça, je n'ai jamais vu ça. Qui le dit? Qui le crut? Dieu a choisi les choses sans importance, celles que l'on méprise, pour confondre les fortes. Et la Bible dit que Dieu fait cela afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Encore, on parle encore de sa gloire. Honneur, louange et gloire à toi, Père, dès maintenant et dans toutes les générations. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Qu'il soit fait dans ma vie ce que je vois, selon ce que je vois ici, je sortirai avec ta gloire. Nous sortirons avec ta gloire en nous. Une vision augmentée, une foi augmentée, à cause de ce que mes yeux ont vu. Amen, 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 amen. Seigneur, merci pour cette soirée. Inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs, télécharge la parole, la présence manifeste, la gloire. Tu n'as pas juste invité ce peuple pour qu'il se réjouisse. Tu as invité ce peuple afin que lorsqu'il sortira d'ici à la fin de ces 3 jours, il soit imprégné de cette grâce et de cette gloire que tu as fait descendre sur cette maison et qui demain descendra de manière officielle le matin par la cérémonie d'ouverture, d'inauguration. Mais Père, ton but, ce n'était pas que ton peuple vienne assister à une inauguration. Ton but, c'est ta volonté, c'est que ton peuple vienne être imprégné. Quiconque viendra ici demain ressortira de là imprégné d'une atmosphère, imprégné d'une présence, imprégné d'un manteau, imprégné d'une grâce. Quiconque connectera à ce que Dieu a fait dans cet endroit, à travers ses offrandes, à travers ses sacrifices, Seigneur, sera imprégné de la même gloire qui va descendre sur les contributeurs. Elle descendra sur tous les retardataires qui n'avaient pas eu l'occasion de contribuer, mais qui, à cause de ce qu'ils auront vu, diront: je ne peux pas laisser une telle histoire s'écrire comme moi. Je dois entrer dans cette grâce. Je dois connecter afin que ce qui est descendu sur eux descende également sur moi. Et à la fin de ce dimanche, ça sera une armée qui se dispersera dans toutes les régions et les villes africaines, européennes, américaines, des Antilles,
mais tu ne repartiras pas comme tu es venu. Tu repartiras avec une dimension de gloire qui va t'imprégner dans le nom de Jésus-Christ. Et parce que tu auras honoré, tu auras célébré, tu te seras réjoui avec ce que le rêve, du fait que le rêve de Dieu aura été manifesté. Dieu déversera sur toi la grâce pour accomplir des exploits dans ton époque, dans ton territoire, dans ton environnement, dans ta génération, dans le nom de Jésus le Christ. Père, nous t'avons ainsi adoré, célébré, reconnu avec action de grâce. Et quelqu'un me dit, et quelqu'un me dit, et quelqu'un me dit, au nom de Jésus, amen. Venez vous asseoir dans sa présence. Je télécharge, merci, je télécharge quelques paroles que le Seigneur m'a données. Mais là, mon bien-aimé, tu es obligé de dire avec moi, waouh. Aïe, aïe. Ah non, bien-aimé, là vraiment, tu dois dire, waouh. Waouh. De notre époque, de notre vivant. Tu vois, si nos vies, je parle de tous les contributeurs, et je suis tellement reconnaissant à Dieu d'avoir semé ma pierre à l'édifice pour que ce bâtiment naisse. Je suis reconnaissant parce que quand tu vois ça et que tu arrives et que tu n'as pas contribué, tu n'as pas le même sentiment de fierté. Parce que ton nom n'est pas inscrit dans la liste des ouvriers de Dieu. Ton nom n'est pas, mais quand tu as contribué, alors ton nom est écrit, inscrit dans la liste, dans le livre des souvenirs. Ah, j'ai dit dans le livre, oh, laisse tomber, c'est pas grave. Seigneur, merci de ce que mon nom est écrit, inscrit dans le livre de souvenirs de ce par qui Dieu a enfanté cela. Ça veut dire que même si je quittais la terre demain, je sais que ma vie aurait déjà été utile. Ouais. Ouais. Parce que dans la liste du livre de souvenirs, de la même manière que le roi s'est souvenu de Mardoché, je sais qu'il se souviendra de moi et de ma postérité. Et de la même manière, il se souviendra de toi et de ta postérité si tu as contribué à rendre cela possible. Au nom de Amen, je comprends qu'il y a quelqu'un qui doit rattraper la course. Au nom de Amen, je comprends qu'il y a quelqu'un qui doit rattraper les autres. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est pas trop tard, rattrape-nous s'il te plaît. Si tu le peux. Parce que tu ne pourras pas, parce que pendant que tu vas essayer de rattraper, il y en a qui vont continuer encore de contribuer. Waouh! Quelqu'un dit gloire à Dieu. Le Seigneur m'a donné une parole simple. Reconnaissant ensemble que dans les Écritures, lorsque Dieu demandait à son peuple, à chaque fois que Dieu a dit à son peuple de lui construire une maison, de lui construire un palais, de lui construire un temple, à chaque fois que c'était Dieu qui a ordonné que son peuple lui bâtisse un temple, une maison, un palais, à chaque fois que c'était Dieu, bien-aimé, reconnaissant qu'à chaque fois, Dieu était exigeant par rapport à la qualité de l'édifice qui devait sortir de terre. Je n'ai pas dit à chaque fois que les hommes décidaient. Parce que quand ce sont les hommes qui décident, ils décident. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font selon leur système de pensée. Et ils pensent parfois qu'ils font selon leurs moyens. Mais c'est relatif. Parce que Dieu n'a pas un problème de moyens. Une vision qui vient de Dieu attire toujours des provisions qui viennent de Dieu. Mais nous devons reconnaître que chaque fois que c'est Dieu qui ordonne, c'est son rêve. Le pasteur Eric a dit tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça, tu vois, moi avec les pasteurs hier on parlait. Déjà quand quelqu'un sans dette, déjà réussit à construire sa maison personnelle, et que tu arrives, tu vois un R plus 1 avec jardin et tout ça. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Mais quand tu sais que quelqu'un n'a pas eu droit à un crédit,
et qu'il s'est battu à la sueur de son front. Généralement, je parle de gens qui sont battus à la sueur de leur front. Dis amen, hein? Voilà. Donc je parle de personnes bien précises. Des gens qui n'avaient pas et qui comptaient sur la grâce. Quand tu vois ce genre de personne, déjà quand il a construit sa petite maison sur sa parcelle de 500 mètres carrés et que toi tu es locataire, je ne sais pas pour toi, mais moi déjà, j'ai tendance à dire, hé, lui au moins. Non, si tu es d'accord avec moi, tu peux lever la main et dire amen. Lui au moins. Parce que s'il meurt aujourd'hui, lui au moins, on ne mettra pas ses enfants dehors. Au moins, ils ont un endroit où rester. Parce qu'il y en a, quand tu es locataire et que tu pars, soudainement, quand les enfants pleurent, on ne sait pas pourquoi ils pleurent. Est-ce qu'ils pleurent parce que tu es parti ou est-ce qu'ils pleurent parce qu'on va les chasser de la maison? Puisque tu étais locataire. Mais dans ton cas, quand tu partiras, ils vont pleurer parce que tu leur auras laissé un héritage. Selon qu'il est écrit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Tu seras compté dans la catégorie des hommes et des femmes qui ont laissé un héritage aux enfants de leurs enfants. Donc chaque fois que Dieu ordonne, lorsque ça vient de lui, c'est son rêve de le faire. Chaque fois que c'est le rêve de Dieu, Dieu ne va jamais te laisser construire un édifice selon ta propre initiative. Il ne va jamais accepter que tu mettes un bambou, deux bambous, trois bambous et puis une tôle. Jamais, si c'est son rêve. Alors quelqu'un va me dire, oui mais pasteur, le temple de Dieu, c'est moi. C'est vrai, mais ce n'est pas que moi. Le temple de Dieu, c'est moi, quand je suis né de nouveau. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mais le temple de Dieu également, quand tu lis ta Bible, c'est là où le peuple s'assemble et se rassemble en son nom. Le temple n'a pas une seule signification. Je n'ai pas entendu toi, amen. Donc quand c'est le rêve de Dieu, bien-aimé, il ne laisse pas les gens faire comme ils veulent. Non, 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 non. Même les ouvriers, même s'ils étaient compétents, Dieu ne repose, ne s'appuie pas, n'a pas confiance en leurs compétences. Il n'a pas confiance dans la compétence des gens qui font le gros œuvre, des gens qui font le second œuvre, des gens qui font les finitions, des gens qui font la décoration. Non, 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 non. Quand c'est son projet, c'est son temple, il va descendre par son esprit sur ces personnes-là. Il va les oindre, comme il a fait pour Bezalel, de capacités surnaturelles, au point qu'ils vont recevoir du Seigneur. Il faut que les ouvriers utilisés par Dieu soient conscients de ce que leur ingéniosité, leur créativité, leur intelligence là, même quand tu étais déjà intelligent, quand l'onction vient sur toi, ton intelligence sera surnaturelle et 10 fois supérieure à celle des incroyants. Je n'ai pas entendu toi-même. Il faut reconnaître, il m'a dit, quand c'est sa maison, quand ça vient de lui, il a dit à Moïse, Exode 31, verset 3, verset 6, à propos de Bezalel, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Au verset 6, il dit, et voici, je lui ai donné pour aide au Oliab, fils d'Ahishamak de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont compétents pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, ce projet que tu vois là a eu lieu avec ce niveau de qualité parce qu'il a oint ses ouvriers. Toute personne. Hein, en fait, l'onction ne vient pas seulement sur les convertis, les nés de nouveau, non? Non, non. Parce que l'onction, il m'a dit... Tu vois, Dieu est capable. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient sur quelqu'un. Il m'a dit, toutes les sociétés, quiconque est intervenu ici-là, je l'ai saisi. Ça ne veut pas dire que j'habitais en lui. La nouvelle naissance, c'est quand le Saint-Esprit habite en toi. L'onction, c'est quand le Saint-Esprit vient sur toi. L'onction opérée depuis l'Ancien Testament. Dis seulement amen et on continue. Qu'est-ce que j'essaie de te dire, hein? J'essaie de te dire, hein, que la voix du Saint-Esprit m'a dit, ce projet... Il a construit à travers des hommes et des femmes qu'il a oint et il a donné des capacités surnaturelles. Voilà pourquoi quand on arrive ici, le résultat, c'est juste l'étonnement et l'émerveillement.
Parce que ce n'est pas ton talent, mon frère. Tu avais le talent, mais le niveau de... Vous savez que le bâtiment Kembo qui est au fond là-bas, n'était même pas prévu dans le plan initial. Quelqu'un a eu l'intelligence un jour de dire, mais il nous reste encore du ciment, il nous reste encore ci. Pourquoi ne pas construire le bâtiment Kembo? Ça ne venait pas de toi, c'était le... Aïe, 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 aïe. Oh, quelqu'un dit amen. Cette cité de gloire a été construite de bout en bout avec un désir, une aspiration de précision, une poursuite de l'excellence. Sachant que l'excellence n'est pas une destination, l'excellence est un voyage. Mais on sent, quand on sillonne la cité de gloire, que l'excellence a été l'obsession de tous ceux qui ont contribué à la construction de ce site. Cette cité de gloire a été équipée avec un niveau d'équipement rarement vu, même en Europe. Bon, la vérité, c'est que hier, nous tous les pasteurs, quand on a fait la visite, on a découvert des caméras qu'on n'a jamais vues dans nos propres églises. Parce que pour moi, à Paris, j'ai deux caméramans en face de moi. Ici, j'arrive, je n'ai aucun caméraman en face de moi. Ça veut dire que ces caméras, il y a un esprit qui bouge ces caméras. Non, ce n'est pas un esprit. C'est contrôlé depuis la régie. Waouh, non, tu dois lire avec moi. Waouh. Mais si je te dis que je n'ai jamais vu ça, moi. J'ai été scandalisé en arrivant à Brazzaville. Aïe, 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 aïe. Dis encore waouh. Dis à ton voisin, voisin, ne sous-estime pas ce que Dieu a fait ici. Ne sous-estime pas. Quand on fait le tour du site, donc, on réalise que la quête de l'excellence a été l'obsession de l'équipe de construction, de l'équipe de finition, des équipes de décoration. Et c'est Dieu qui les a oints. Mais alors, la question. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu tient autant? Pourquoi est-ce que Dieu tenait autant à ce qu'on lui construise un palais de gloire, une cité de gloire? La première réponse biblique qui te viendrait, qui me viendrait, c'est parce que dans son palais, la Bible dit, tout s'écrit. Mais, ah, dis amen, ouais, ouais. Mais pourquoi est-ce que Dieu, comme a dit pasteur Eric, quelqu'un pourrait dire, c'est du gâchis. C'est-à-dire, il y a toujours des chrétiens Judas, des voleurs dans la caisse, qui sont désolés quand ils voient qu'on prend ce qui est cher. Et on le met au pied de Jésus. Mais on aurait pu le donner aux pauvres. Et Jésus a une réponse. Il a dit, les pauvres, il y en aura toujours. Hein? Ça finira jamais. Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres. Aïe, ça ne sera pas toi au nom de Jésus. Il y a toujours des Judas pour dire, c'est du gâchis, non? Alors il m'a dit, je lui ai demandé, mais pourquoi c'est important quand c'est toi, Seigneur, l'initiateur? C'était vrai pour le tabernacle. C'est vrai pour le palais que Salomon a construit. Pourquoi tu veux que ça ressente, qu'on sente la poursuite de l'excellence? Pourquoi tu veux que ce soit le meilleur que l'on puisse offrir à Dieu? Pas en occasion neuve. Il faut que ça reflète. Il m'a dit, déjà, c'est ma nature. La gloire est ma nature. L'excellence, excellent est mon nom. Glorieux est mon nom. Quand je construis, il faut que ça reflète qui je suis. Je dis, mais pourquoi tu accordes? Parce qu'il faut que tu comprennes que Dieu est honoré et touché par la réalisation, la finition et l'inauguration de cette cité. Pourquoi? Trois choses, trois raisons, et puis on finit.
Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, est-ce que je te dis ce que j'ai entendu? Il m'a dit, tu vois, parce que les chrétiens pensent que Dieu est indifférent. C'est-à-dire que tu lui donnes un truc pourri, un truc solennel. Oh non, Dieu regarde au cœur. Non, tu vois, il y a une séduction comme ça là. C'est pas grave, c'est pour Dieu. C'est-à-dire que c'est. Tu vois, des gens, il fait un design. Mais c'est une mocheté, une catastrophe, un design catastrophique. Mais il dit, oh, c'est pas grave, c'est pour l'église. Il ne réalise pas que Dieu est offensé par ce genre de comportement. C'est ce qu'il dit dans Malachie. Est-ce que tu prendrais une bête chétive pour l'offrir à ton gouverneur ou à ton roi? Non. Par contre, tu amènes ça à moi. Et tu as dit, vous me déshonorez. Alors pourquoi c'est important pour Dieu? La première chose, c'est que la qualité de l'édifice, la solennité, la beauté de l'édifice révèle l'amour que son peuple a pour son Dieu. J'ai pas entendu, amen. La qualité de l'édifice indique la qualité de l'amour qu'on a pour celui pour qui on construit. Parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et quand on aime, on le prouve en donnant. Pourquoi? Pour que le meilleur qui puisse être enfanté soit enfanté de mon vivant, dans ma génération, en l'honneur de mon roi. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'une chose que vous devez comprendre, bien-aimé, c'est que on dit souvent l'argent parle, mais moi je ne parle pas de l'argent ce soir. Je parle des édifices. Les choses parlent, les voitures parlent, les bâtiments parlent. Quand je vais en Côte d'Ivoire, généralement quand je vais à Abidjan, j'ai un frère qui est un homme d'affaires, qui est un membre de l'église, et qui me met toujours sa voiture à disposition. Sauf que sa voiture, c'est une Mercedes classe S Maybach. Qui a déjà entendu parler de la Maybach? Il n'y en a pas beaucoup. À Abidjan, la Maybach, c'est-à-dire que c'est une Mercedes classe S, habillée à l'intérieur par Rolls-Royce. Quand tu es à l'intérieur, le siège arrière peut s'incliner comme si tu étais en classe affaires. Il y a le bar sur le côté. Donc, quand tu montes dedans, mon frère, quand je monte dedans, j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce que, après, quand je vais repartir chez moi, dans ma voiture, je risque de haïr ma voiture à cause de... Aïe. Mais j'ai remarqué une chose. Quand je suis dans cette voiture, partout où j'arrive, c'est-à-dire que les gens, regarde, quand ils sont comme ça, là, leur cou se déplace. Il n'y a aucune conversation. Mais tu sens que l'arrivée de cette voiture-là, tout le monde regarde qui est à l'intérieur. Donc, quand je sors, je suis obligé de dire, c'est pas ma voiture. Moi, je suis pasteur Ivan, c'est pas ma voiture. Non, parce que tu sais, il y a des gens sur l'internet, ils vont dire, ah, l'orgueil, casse-toi, non. Apôtre abominable, non, pardon, c'est pas à moi. Quelqu'un dit, ah, waouh. Je suis obligé de me défendre, parce qu'en vérité, ils ne font pas ce genre de constat quand ils voient une Toyota Corolla ou Mitsubishi là. C'est quand ils voient, ça prouve que la voiture, il y a des voitures qui parlent et d'autres qui ne disent rien. De la même manière, il y a des bâtiments qui parlent toujours à Cotonou ou à Abidjan. Quand tu vois l'ambassade de France, pardon, pour les Français, on est ensemble. Mais quand tu vois l'ambassade de France à Abidjan ou même à Cotonou, tu passes devant, tu dis ok. On dit ça c'est l'ambassade, tu dis ah ok. Mais quand tu passes devant l'ambassade des États-Unis, tu t'arrêtes comme ça là. C'est-à-dire que quand tu vas à l'ambassade des États-Unis, le bâtiment par sa structure, il y a une conversation invisible. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu vas, tu peux mettre le désordre, tu peux arriver en marchant ton chewing-gum, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas à l'ambassade des États-Unis, la manière dont c'est construit, il y a une conversation où il te dit, ici, bienvenue aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que tout de suite, déjà, tu dis,
Donc, aïe. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, les bâtiments parlent. Donc, quand tu rentres dans l'ambassade des États-Unis, tout de suite, personne ne t'a parlé. Hein? Mais tu es bien habillé, tu es réglé, tu n'as pas un t-shirt déchiré. Tu te mets en ordre. Parce que le bâtiment te dit, quand tu viens ici, attention. Oui. Tu t'alignes. Et un jour, Dieu m'a dit, il y a une conversation entre le temple de Dieu, entre les maisons de Dieu et les temples des idoles. Il m'a dit, parce que la triste réalité aujourd'hui, c'est que les idolâtres, ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu, quand tu vois dans le monde, quand tu vois, je ne vais pas citer des noms des religions, mais quand tu vois ce qu'ils construisent pour des divinités, des dragons, des serpents, et quand tu vois ce que nous on construit pour Dieu, à cause de ce qu'on fait, il y a une conversation où des temples, les divinités sataniques à qui on offre les temples se moquent de Dieu en disant, tu as vu ce que mes idolâtres m'ont offert? Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, Dieu ne trouvait pas de réponse. Puisque Dieu ne pouvait pas lui aussi faire le fier. Aïe. Maréchate la maya rabassa. Oh, rochate le maya. Dieu ne pouvait rien dire. Parce que la voix des sirènes, la voix des serpents, la voix des dragons disait à Dieu, le Saint-Esprit, ok, ils vont aller en enfer, mes idolâtres, mais ils n'empêchent qu'ils m'aiment plus que tes chrétiens ne t'aiment, toi. Regarde ce qu'ils m'ont offert, regarde ce qu'ils t'offrent. Ils m'aiment plus que les tiens ne t'aiment. Dieu m'a dit, à partir de la cité de gloire. La voix du trône de Dieu répondra. Lorsque les divinités sataniques diront, regarde ce que nous on nous a construit, Dieu dira, je me suis trouvé moi aussi un peuple dans son époque, dans sa génération, qui m'a construit et qui a démontré son amour. Dis amen. À partir de ce week-end inaugural, la voix de Dieu pourra dire, comme elle a dit au sujet de Job, as-tu vu, au sujet de Job, elle a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Maintenant, la voix de Dieu dira, as-tu vu la cité qui m'a été construite à la capitale de l'Afrique centrale? Je vois la voix des démons être réduits à néant. Je les vois réduits au silence. Pourquoi? Parce qu'à travers cet édifice, il y a des hommes qui ont prouvé qu'ils aiment Dieu. Pas en parole, mais en action et avec vérité. Acclamons le Seigneur pour tous les contributeurs qui ont rendu ce rêve possible. Quelqu'un dit amen. Ouais. Assieds-toi. On avance vite. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Oh, bien-aimé, tu n'as pas idée. Moi, je pourrais dire dans ma génération, que tu sois d'un parc centre chrétien ou pas, cette cité va t'encourager. Si tu aimes Dieu, elle va t'encourager. Donne-moi encore amen. La deuxième chose qu'il m'a dite, il m'a dit, premièrement, la qualité, la beauté d'un édifice révèle l'amour. Mais le pasteur, il l'a dit tout à l'heure, la qualité, la solennité d'un édifice révèle l'honneur, le respect, la révérence que l'on accorde à son Dieu, à celui qu'on adore. Et n'est-il pas triste de constater que les idolâtres ont plus de révérence pour les divinités sataniques que les chrétiens n'en ont pour leur sauveur, leur rédempteur, leur Seigneur. Thank you.
La qualité de ce qu'on construit révèle le sens de l'honneur, la révérence. La cité de gloire, ou le palais de gloire, signifie que Dieu, au cœur de l'Afrique, s'est trouvé un peuple de véritables adorateurs. Marabocha, qui s'est levé et qui a reconnu que Dieu est digne qu'on lui offre le meilleur qu'on puisse lui offrir. Et ce peuple n'a pas regardé à la dépense. Non, il n'a pas regardé d'abord aux moyens. Non, il m'a dit, vous, un Pakistan chrétien Brazzaville, vous n'avez pas regardé aux moyens financiers nécessaires. Vous avez d'abord regardé à la grandeur de Dieu et à ce qui devait lui être offert. Parce que vous avez compris que si ce rêve vient de Dieu, alors sa provision viendra de Dieu. Il n'a pas dit quel chemin empruntera la provision, mais il a seulement dit que c'est Dieu qui sera la source de la provision. Quelqu'un me dit amen. La qualité de l'édifice révèle l'honneur, la révérence, le respect que l'on accorde à Dieu. David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui ne m'a rien coûté. Il est digne d'honneur, digne de gloire, digne de louange. Wow. Donc, ne sois pas choqué par la qualité de ce que tu vois. Ça traduit un message. Une génération s'est levée et a décidé d'honorer Dieu. Pas seulement avec les mains, pas seulement avec des chants, mais avec des actes. Et voici, ça a enfanté la cité de gloire. Troisièmement, la qualité, la solennité, la beauté de l'édifice révèle. Oh, ça, il y a beaucoup de messages. Un, l'amour. Deux, le respect. Trois, ça révèle simplement le sacrifice ou les sacrifices consentis. On ne peut pas réaliser un tel projet sans avoir, sans connaître, sans avoir payé un prix. Le prix des supplications, c'est-à-dire des privations associées aux prières d'intercession. Il y a eu tellement de guerres, d'abord spirituelles, qui ont nécessité le recours aux prières et aux supplications. Quelqu'un dit amen. Donc un projet achevé, ça signifie qu'il y a eu un peuple qui s'est levé et qui a prié et qui a supplié, qui s'est privé de sommeil, privé de repas, privé de boisson, à des intervalles réguliers pour spirituellement pousser. Parce qu'il y avait un combat spirituel. Et il y a eu également des combats physiques, des conteneurs bloqués pendant des mois. Toutes sortes de bâtons dans les roues. Bref, qu'est-ce que j'essaie de dire? La qualité de cette cité révèle un, l'amour pour Dieu, l'honneur pour Dieu, deuxièmement, et troisièmement, révèle le sacrifice. Révèle qu'un prix a été payé. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Énormes. Sacrifice de terrain. Je ne dois pas le dire, mais j'avais deux terrains ici, moi. Il y en a comme nous et plusieurs d'autres qui ont donné leur terrain. Oui, sur cette propriété, j'avais deux parcelles. Je n'ai pas de parcelles. Je n'ai rien à Brazzaville. Tout ce que j'avais, c'était terrain. 800 mètres carrés. Un jour, le pasteur Yves me dit, tes 800 mètres carrés sont réquisitionnés. J'ai dit, est-ce qu'il y a une compensation? Aucune. Gloire à Dieu. Mais moi, non, moi, je ne suis rien à côté. En termes de sacrifice, je ne suis rien. Il y a eu une armée de frères et de sœurs qui se sont sacrifiés pour que ce projet soit enfanté. Oh, dis amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont contribué? Je suis en train de finir.
On est en train de descendre. On voit maintenant la piste d'atterrissage depuis les hublots. Je suis en train de finir. La cité de gloire révèle. Il n'y a pas un enfantement comme ça sans combat, sans supplication, sans larmes, sans pleurs. La Bible dit dans le psaume 126, au verset 5 à 6, version du semeur, « Qui sème dans les larmes moissonnera avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant alors qu'il porte sa semence reviendra en poussant des cris de joie alors qu'il portera ses gerbes. » Quelqu'un dit « Amen ». La vérité, c'est que les contributeurs de la cité de gloire ont semé avec joie. Mais ce n'est pas parce qu'on sème avec joie qu'on ne sème pas avec larmes. On peut semer avec joie, mais en même temps avec larmes. Pourquoi les larmes? Parce qu'on pense à ce qu'on aurait pu faire si on avait pris cet argent et investi ailleurs. On ne regrette pas, mais on dit « Waouh, c'est quand même un sacrifice ». Est-ce que quelqu'un me suit? Je finirai, bien aimé, en vous. Vous savez, la cité de gloire est le fruit, pardon, il faut reconnaître véritablement que Dieu est tout puissant. Dis Amen. Mais Dieu ne peut rien faire s'il ne trouve pas un homme d'abord. Un Moïse. Et quand il trouve un Moïse qui reçoit son rêve, alors c'est seulement quand Moïse accepte que maintenant Dieu associe, Dieu envoie Aaron, Hur, Marie. C'est quand il a accepté que Dieu les a fait venir. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu, il m'a dit de vous dire, il est tout puissant. Mais il ne peut rien faire s'il ne trouve pas, vous le savez très bien, un homme obéissant, un homme consacré qui accepte de recevoir et d'être enceinte de ce rêve. Alors, la cité de gloire est le fruit, le résultat de la foi et de l'audace d'un esclave de Jésus, un Moïse de son temps, de son époque, avec son épouse, auquel Dieu a associé des Hur, des Aaron et des Marie qui ont cru que Dieu était digne de recevoir le meilleur. Et très honnêtement, hier, en regardant ce site, mon niveau de respect pour son serviteur a augmenté. C'est mon frère! Mais il y a un respect. Pourquoi? Parce qu'il a été le porte-drapeau. Parce que s'il ne tire pas, s'il n'obéit pas, s'il n'est pas devant pour combattre, parce que le nombre de combats, d'adversité, d'opposition qu'il y a eu ici, c'est juste impressionnant. Voilà pourquoi la Bible dit, sachez honorer de tels hommes. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, les édifices parlent. Et ça ne serait pas manifesté sans l'audace, la foi, la consécration, la persévérance d'abord d'un Moïse qui se lève dans son pays pour établir un autre standard. Et il aurait pu, lorsque l'argent manquait, parce qu'il y a eu des jours où l'argent manquait. Il aurait pu dire lorsque l'argent manquait, bon, on va relancer à ci, à ça. On va abandonner telle idée. Mais il ne pouvait pas renoncer. Pourquoi? Parce qu'il avait l'obligation de construire selon le modèle qu'il avait reçu. Donc il faut la foi, il faut la persévérance, il faut la ténacité, il faut la combativité. Tu dois être au front. Tu prends des coups, tu prends des injures, tu prends des critiques, tu prends des calomnies, tu prends des fausses accusations, tu prends des soupçons, tu prends tout. Mais tu dois rester debout et ne pas renoncer. Cette cité n'est pas l'œuvre d'une personne, mais elle est passée par une locomotive, par une personne qui est le porte-drapeau. Et pour lequel, je ne sais pas pour toi, mais moi je peux te dire que tous nos pasteurs ici, quand ils ont fait le tour, ils ont dit chapeau, respect.
loi. Respect. Même si tu le détestes, tu es obligé de dire respect. Alors, on a atterri. On s'est posé. La cité de gloire sera une source d'encouragement pour des multitudes. Je me suis dit, heureusement qu'en France, Dieu est en train de nous sommes en train de construire un projet encore plus grand que celui-là. Sinon, j'aurais mis la main sur la tête seulement. J'ai dit, Seigneur, on est dépassé. Brazzaville a battu la France. Non, Seigneur. Donc, quand je vais leur montrer les vidéos de la cité de gloire, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se lever en France, qui vont dire, ah non, hors de question. On ne peut pas rester derrière. Parce que vous êtes le cœur de l'Afrique. Nous, on est le cœur de la francophonie. À Paris, c'est le cœur de la francophonie. Alors, on ne peut pas être en reste. Mais à travers, à la fin de ces 3 jours, la volonté de Dieu, c'est que quelqu'un sorte d'ici fâché. Et qu'ils disent, Dieu, en vérité, ne fait pas de favoritisme. Seigneur, moi aussi, utilise-moi. À travers la cité de gloire, je reconnais que tu peux tout. On se souviendra de cette génération, notre génération, comme celle qui aura fait sortir de terre un hôtel, un palais, une cité, un temple qui aura régi le cœur de Dieu dans notre génération. Rien qu'en cela, nous sommes reconnaissants parce que nos vies auront été utiles pour la gloire de Dieu. Mais tu dois sortir de là, et c'est la volonté du Père, respectueux, rempli de gratitude, humble, plus de critiques, respectueux et désireux toi aussi de t'offrir comme un sacrifice vivant, comme il l'a fait, afin qu'à travers toi, à travers moi, à travers toi et toi et toi, Dieu manifeste les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous avant la fondation du monde. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Reçois qui t'est dû, oh oui. Reçois Acclamons. On a atterri. Oh, nous voulons simplement dire, Père, reçois la gloire. Pour les hommes, les Moïse, les Hur, les Aaron, les Marie, que tu as suscité pour la cité de gloire. Reçois. Notre gratitude. Tu nous as rendu utile. Tu as écrit une histoire. Tu as téléchargé un rêve dans le cœur de ton serviteur. Tu as levé une armée. Tu l'as manifesté ici au cœur de l'Afrique. Jamais vu, non pas à un homme, ni à une église, mais à Dieu notre Père. Toi la louange, l'action de grâce, l'adoration et la
messieurs, mes bien-aimés, est-ce que dans cette atmosphère, est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir le visionnaire de cette cité, l'homme que Dieu a utilisé, le Moïse que Dieu a suscité dans cette nation? Est-ce que tu peux m'aider à rendre la gloire à Dieu? À lui dire, reçois, 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 reçois la gloire. Reçois. Pouvons-nous élever nos mains? Pouvons-nous élever nos mains? Avant d'acclamer, amen. Nous sommes, il est 20h moins 5. Nous voulons terminer dans quelques secondes. Qui a reçu quelque chose de la part du Seigneur ce soir? Comme a dit son serviteur, beaucoup sortiront d'ici avec une foi étirée, avec une foi intensifiée, avec une soif de Dieu beaucoup plus grande. Si c'est de toi que je parle, donne un meilleur amen. Amen. Vous savez, comme il a dit le pasteur Ivan, il y a des choses que franchement Dieu fait. Je dois quand même vous dire, vous les amis, vous qui êtes arrivés hier, qui avez fait la visite, nous aussi, sachez-le, pour vous montrer à quel point c'est vraiment Dieu qui fait cette œuvre. Nous étions le 9 quand on est rentré, et puis jour après jour, le 9 décembre quand on est venu la première fois. Nous étions là avec le pasteur Alice, le pasteur Marc et tout l'ensemble du corps pastoral. On était dehors, on regardait, on est rentré, on a dit, ah, qui a fait ça? Quand toi-même, tu es choqué par ce que tu vois, ça veut dire que tu reconnais que ce n'est pas toi qui l'as fait. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait au travers de toi. Pouvons-nous apprécier la grâce de Dieu manifestée par l'esprit de la grâce, l'esprit de Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. Nous sommes reconnaissants. Demain matin, la cérémonie de dédicace avec l'ensemble des pasteurs, avec notamment notre père, le pasteur Mamadou Karambiri, le pasteur Ivan, commencera à 10h. Et les portes du temple seront ouvertes dès 9h. Et demain sera un jour assez particulier. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc je vous demande vraiment d'être là très tôt, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place, et ni pour le parking, ni pour les places assises. Donc demain, soyez un peu plus violents. Bon, chacun fait ce qu'il peut. Hein? Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc demain, nous commencerons à l'heure. Nous commencerons à 10h, parce que c'est l'heure du commencement. Et vous serez accueillis par une surprise que nous réservons à tous nos invités, à tous nos bien-aimés qui viendront demain pour célébrer avec nous. Je le répète encore, et le pasteur l'a dit, et tous les intervenants l'ont dit, nous venons honorer Dieu. Nous venons rendre gloire à Jésus-Christ. Nous venons honorer le Saint-Esprit qui est dans ce lieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Et donc demain, rendez-vous à 9h pour les plus vaillants, pour ceux qui se lèvent tôt, et je sais que ça va être le cas de plus que d'entre nous. Nous voulons être là pour prendre ce temps d'action de grâce ensemble, parce que Dieu érige un temple dans la ville pour le bien du pays, pour le bien de la région aussi. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait au travers de nous. Quelqu'un me dit amen. À Dieu seul soit l'appréciation, la louange, l'honneur et la gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quand je dis à Dieu seul soit la gloire, toi tu dois répondre un bon amen. Donne encore un bon amen. Voilà. Nous allons élever la voix, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette soirée. Nous allons partir dans trois minutes. Élevons nos mains et rendons grâce au Père pour cette magnifique, cette merveilleuse soirée dans sa présence. Excellent Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as assemblés ce soir pour cette première soirée, Seigneur, pour ce séminaire spécial de dédicace. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre gloire. Non pas à nous, jamais. Pas à nous la gloire, jamais. Non, mais à Jésus, nous voulons rendre la gloire. Saint-Esprit, nous voulons t'honorer pour les œuvres, les actes que tu as accomplis au travers de nous, dans ce lieu, au travers de chaque homme, chaque femme que tu as suscité. Nous voulons te rendre grâce aussi, Père, pour les nombreuses délégations qui sont venues, qui vont venir encore demain, qui viennent encore cette nuit. Père, nous voulons te dire merci. La maison qui reçoit est une maison qui est bénie. Merci de ce que c'est toi qui les bénis, c'est toi qui nous les envoie. Et nous t'exprimons nos actions de grâce. Pour le peuple qui s'est déplacé ce soir,
Père, nous voulons te dire que nous sommes reconnaissants pour la vie de chaque personne ici assemblée qui est venue ici, Père, pour honorer Dieu, pour célébrer Dieu, pour se réjouir de ce que Dieu a fait ici, Père. Nous te sommes reconnaissants. Nous apprécions tes œuvres, Esprit du Seigneur. Nous te rendons gloire, Jésus, notre Seigneur. Nous te rendons grâce, notre Père d'amour, notre Père de grâce, notre Père de bonté, notre Père de miséricorde, Père de compassion, Père de toute justice. Reçois l'honneur, la louange, la puissance, l'autorité, la gloire, le triomphe, l'éclat, la victoire, la majesté, la beauté, la splendeur, le rayonnement. Reçois Jésus, notre Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Donne un bon amen dans ce lieu. Vraiment, excellente soirée à chacun d'entre nous. Prenons le temps de nous saluer les uns les autres. Et rendez-vous demain à 9h pour les portes ouvertes. Il y en a qui vont être déjà à 8h30. Gloire à Dieu, excellente soirée à chacun d'entre nous. En partant, prenons le temps de nous saluer les uns les autres avec le sourire dans la magnifique présence de notre Dieu. Excellente soirée à chacun d'entre nous. Reçois la gloire, oh éternel. Reçois l'honneur et reçois la gloire. Reçois la gloire qui t'est due, oh éternel. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire à jamais. Reçois, 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 reçois. Reçois la gloire. Nous vous prions de sortir par les côtés, de sortir par derrière. Pourquoi c'est fermé ici? Herman, ouvrez la porte. Pourquoi elle est fermée? Les gens peuvent sortir de ce côté-là. Ouvrez les portes. Merci de bien vouloir ouvrir les portes pour que l'on puisse évacuer tranquillement. Reçois l'honneur et la gloire, reçois la gloire qui t'est due, ô éternel. Reçois la gloire.